Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour une vidéo test. Ah wesh, à nouveau, sur la démo de Lego Jurassic World. Oui, je vous teste une démo, ça fait longtemps. J'ai ce truc. Oh, ah, le flash. Qui suis-je? Bonjour, comment t'appelez-vous? Mon dieu, un T-Rex, des lapins, un belge, j'ai trois Velociraptor. Un. Oh my god. Oh mon dieu, TT Game. Mon dieu, mais nous sommes dans Lego Jurassic World. Ta-da-da-da-da-da-da. Mais qu'est-ce que Jurassic World? C'est aussi débile que me demander qu'est-ce que Jurassic Park, hein. Sérieusement. Bon. Alors les options. Si, sous-titres, hein. Bon. Ah, on commence la démouille. On va essayer de la tester en un petit. Bonjour, monsieur Aden. Comment allez-vous? Monsieur Aden, ça va? N'est-ce pas, oui, monsieur Aden? Donc là, on incarne notre cher ami Chris Pratt. Et je vais tabasser le Black. Et comme dans tout jeu Lego, faut tout péter, mon colonel. Je vais grimper. Donc là, on est dans le niveau de Jurassic World. Et là, on appuie sur EB pour tout mettre. Oh là là, mais je crois que c'est ça pour grimper. Voilà, vous me prenez pas au dépourvu, hein. Je me connais, un jeu Lego. J'en ai déjà fait, même en vidéo, ouais, c'est vrai. Je vous avais fait un petit jeu une fois. Un petit Lego Marvel. Attends, on peut pas le piétiner, cela. Bon. Eh, mon El Black, eh, Omar. Rigole. Non, désolé. Quelque chose me dit que c'est par là. Bon. What the fuck? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Il a un super pouvoir. Get me super pouvoir. Ah, ah, les soeurs. Hein? Non, désolé. La nostalgie d'antan. Putain, la Flanders Company, la femme avait quand même grave foutu les boules. La Flanders Company, la fin de la série. Je pense pas qu'on aura un jour une suite, hein. Mais dommage. Le Visiteur du Futur, j'aimerais bien quand même aussi une suite, ça. Un film, le Visiteur du Futur. C'est le format qu'ils ont pas encore fait, film. Ce serait marrant. Tâche de pas tomber. Ce serait dommage que tes protégés perdent leur créateur. Omar, t'as changé de voix. Parce que autant l'autre il a son doubleur, autant. Toi non. Omar. Putain, t'es trop feignant pour aller te doubler toi-même, hein, dans ce jeu. Bon, je crois que c'était pas ça à faire. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit le truc là, le son? Comment on les active ceux-là? Oui, il y a un objet tranchant. Désolé, ça n'arrivera plus. Ok. Bon, ok, bon, vous admettrez quand même que je n'ai pas fait deux fois la même erreur. Ah, pile poil ce que je cherchais. Allez, Owen, c'est pas dur de retrouver un petit cochon. Ouais. Mais tu me fais bizarre, Omar, hein, avec ta voix. T'as mué.
Même un peu trop à mon goût. N'est-ce pas, Homer? Homer, il a mué! Homer, il a mué! Homer, et bientôt Homer, il m'a tué, hein? Aussi, oui. Ok. Bon. Alors, je fous ça dans le cul, ça. Non. Pas très bien compris, faut que je fasse cuit. Il y a des chasseurs qui peuvent avoir assez pour des... Et là, je vais go. Okay. Ok. Il faut un juif pour... C'est ce canon. Trouvez-en dans un canon et ramenez-le lui. Bon. Ah, faut suivre. Mais où est l'alcool? Non. C'est... Oh, mais sans déconner, on sait pas où il est. Hein. Donc, on va pas me prendre pour le roi des débiles. Hein. Par ici, petit Jean Bonneau. Un gâteau d'anniversaire. Tiens. Bon, d'abord, je vais tout péter, hein. Avant de lui dire bonjour. Hey. Oh. Je peux pas monter là-haut, là? Non. Ok. Il est même fait à foutre, c'est ça? Bon, je te reprends, toi. Je pète! J'en ai la merde! Je m'appelle Bruce Banner. Bon. Bon, alors, sinon, à part ça, ça va? Bon. Alors, oui, le cochon s'en occupe plus tard. Ouais, je disais avant le visiteur tout à château. Oui, parce que. Il y a quand même toujours la question. La question qui m'a sans réponse et que je voudrais voir un jour ce qui devient. Mais qu'est-ce qui devient du double du visiteur du futur? Puisque dernière nouvelle, il est dans le présent pour ceux qui ont suivi. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans la saison 2, il était dans le présent. Et pour moi, avoir le double du visiteur du futur qui se balade dans le présent, ça m'enquiquine un peu, quoi. Mais tout le monde a l'air de s'en branler. Ah, parce que le mec, il avait plus de machine et était coincé dans le présent, alors franchement... On est quand même un peu... Ouais... Parce que depuis, on l'a plus revu, tout le monde s'en branle, plus personne ne le mentionne. Ah, mais moi, c'est ce que j'ai retenu, hein. Il s'est échappé des Lombardies, lui avaient confisqué sa machine. Voilà, hein. Enfin, j'en avais... Voilà. Je sais même plus s'il en avait même une de base, mais bon. En tout cas, il en avait plus, là. Enfin, c'était mode à poil. Donc, franchement. Bon. On peut pas avoir le truc, là, pour les gueuler. Voilà. Toi, je te pète. Hein, je pétais pas le mien à main nue, moi. Hein. C'est parce que je suis cuisse plate. Tu comprends, hein? Bonjour, je suis cuisse plate. Et ça, c'est au massé. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Ouais, ça va. Bonjour. Ok, ça c'est pas pour moi. Ça c'est pour ceux qui ont un cerveau. On va faire comme si on avait rien. Toujours en train de bouffer le gâteau l'autre là. Ok, c'est bon. Hein. Allez, on va propulser le cochon.
qui est tout à fait crédible. Bon, c'est là que ton grappin intervient, ouais mec. Allez mec, venez arriver, ouais. Bah justement il a atterri à la Mecque. Ah, oh, vous pouvez libérer les vélociraptors maintenant, monsieur? Nedry, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, ils sont pas fait chier. Bon, je savais que le doubleur de Nedry, il était dans celui-là. Vu que j'avais vu quelques extraits, hein, j'avais vu qu'il doublait Nedry. Eh mais en plus il double d'autres personnes, à moins que ce soit Nedry, hein. En fait, même dans Jurassic World, ils ont réussi à avoir un Nedry, tu sais, Nedry il est partout. Je te tabasse, Nedry. Faut se méfier, hein. Alors déjà lui je me méfie. Hein. Non. Mode YOLO, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un scénario? Non, je déconne, ça serait vu. Hein. Un scénario dans ce Jurassic Park. Hein. Ça serait... Bon, bah, le Black, il est mort, déjà. Je veux que tabasse. Bon, on peut pas passer par là, bon. Ah, ouais, un scénario. Une chose qui devient de plus en plus rare. Un scénario, c'est quoi? Ça se mange? Ça donne faim, d'ailleurs. Bonjour. Alors, on a plusieurs trucs à faire, a priori. Hein. Bon. C'est la magie de Noël. Coucou, tu veux voir mon chien? Ça va mieux marcher maintenant. Ça pareil avec celui-là. Voyez. C'est comme ça qu'on répare les machines. Allez, on va tout péter! Oh, libère les raptors! Et on va tout reconstruire. T'es bonne, tu sais. la phrase d'enculé, ouais. Ah, t'es bonne, tu sais. Bon. Bref. Faut que je rebalance mon truc. Faut que je vise. Voilà. Ça va être un truc d'enfer. Omar, arrête de parler, tu me fais flipper. Avec ta voix virile. Oh, des Playmobil. je les avais en plus, les Raptors comme ça. Bon, Lego. Putain, que de souvenirs. Bon, on a qu'un des Raptors, hein. Allez, on va buter Dennis Nedry. Non, j'ai qu'on le laisse pour les dilophosaures. On a des petits jouets. C'est trop mignon. Bonjour. Et hop, on mord celle-là. Et voilà. On travaille. Marie, alimente la porte.
Ok, tout de suite. Bon. Alors, Barry. Attends. Attends, on a des nouveaux trucs, là. En fait, ils avaient fini de souder, ok. Bon. Attends, je vais récupérer des trucs, tant que je suis vivant. C'est pas ma guerre! J'ai vu un raptor! Le raptor, j'ai vu! Bam! Comment ça? Schmutz! Voilà! Et bam! Je suis le meilleur viseur du monde! De raptor. Ah, mais c'est trop hardcore. I'm a fucking dinosaur. Bitch, please. Ok, c'est... Motherfucker. Ceux qui arrivent à voir la référence. Bastard. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a un problème, toi, là-bas? Chier. Quoi c'est? Allez savoir. Bon alors. Sympa hein, de contrôler le raptor. Sympa! Il s'en va! Le laisser s'éloigner comme ça? Bonjour. Faudra toujours me dire comment il a pu se libérer le cochon hein, dans le film. Hein. Franchement. À part d'être un super guerrier qui peut défoncer des trucs en titane, faut pas se foutre de moi. Hein. N'empêche. Bon. I'm fucking dinner. Oui, un raptor sait faire ça, hein. Le raptor est super intelligent, il peut allumer la lumière, hein, faire une petite lumière tamisée, hein, comme Théo. Il peut l'éviter, oui aussi. Mais oui, le raptor sait tout faire, il peut faire femme de ménage. Et il y a un raptor chez vous. Le raptor, c'est très pratique. Ok, c'est bon, j'ai déjà l'idée de la miniature. Ah, et l'autre con, il est trop... Bon, par contre, mon pote, il est quand même un peu con, hein, pour pas me suivre. Mais moi, je suis un putain de raptor, femme de ménage, le raptor. Si ça se trouve, c'est Nagui qui va l'engager. Ouais. Je vois bien un raptor femme de ménage dans la série Ayaté. Un problème. Ah. Je vois pas une autre série où ça pourrait être le cas, sérieux. Bon, il pourrait peut-être y avoir d'autres séries. Ça me vient pas en tête. Hein. Il y a tellement de trucs délirants hein, avec les shonen, seinen et tous les trucs japonais. Hein. Bon. Je suis un taureau. Non. Je ne suis pas un taureau. Allez, et on fait une petite échelle. Allez, tu peux le faire, ce saut. Ah, c'est ça, ok, c'est la touche de saut à la... Avec le fameux cri mythique du raptor dans... Je sais pas. Arrêtez de bouger, les buissons, merde. C'est les deux autres, en fait, ils sont en train de se planquer, ils nous suivent. Les deux autres raptors qu'on a plus en vue, là. Je suis sûr que c'est un raptor MacGyver aussi, bien sûr.
Ok, le raptor a peur de l'eau par contre. C'est un putain de vampire comme dans Rosario en fait. Non, pas l'eau! Oh là 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 là! Ah, il faut bien qu'il y ait un point faible. Hein. Tous méchants se doivent d'avoir un point faible. Sauf les méchants cheatés américains de nos jours. Et les héros aussi cheatés. Hein. Alors qu'au Japon, ils ont tous un point faible. Kaito Kid, eh ben, il a peur des poissons. Tu peux pas lui sauter dessus? Oublions-le. Parce que l'autre il est toujours à l'entrée, il a rien pigé l'autre, hein, il est... Ouais, bah chez Raptor aussi t'as des Mr. Bean, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on peut y arriver. Mais ce niveau il est marrant. Hein. Un jeu un peu coloré, ça change aussi. Voilà, techniquement, t'aurais dû griller comme une vieille chaussette, hein, mouillée, hein. J'ai commencé à regarder Scream Queens, enfin. Et pour le moment, j'aime bien. J'aime bien le côté l'horreur mélangé avec le comique, un peu comme dans Scream original, mais bon, là, c'est encore pire, hein. Ils utilisent même certains clichés à la con qui font des incohérences juste pour le coup. Alors... T'appelles tes potes. Ah, mais ils sont là-bas! Bonjour. Ça va, branler? What? On va faire comme si on n'avait rien vu. Oh, il y a Boris qui est derrière, hein, il rame. Ta gueule! Hein? Ta gueule, Star-Lord, voilà, c'est ça. Hein. Quand t'auras retrouvé ton père, tu m'appelleras. Ouh, c'est cloche. Encore un levier, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, je vais pas sortir le truc salace que j'allais sortir. Bon, Dudule! Dudule, arrête de l'inviter! Putain de con. Abruti. Steve! Putain, il m'a fait bugger ce jeu, même ce jeu là. J'ai une pièce de 1 euro. Je peux faire un Monopoly avec. Putain, ce. Ah, il faudrait que j'essaye de la voir, le cri des raptors, pour le court-métrage avec Steve, ce serait drôle. Ouais. Mais je me demande ce que ça va donner, hein, le court-métrage avec Steve. Attends, je fais quoi, là? Ok. Bon, allez, Michel. C'est gentil. Bon, allez, on y va. Allez, cette fois-ci, tu me suis, Boris. C'est ça. Mais où est-ce qu'il se cache ? Ok. Ça sent le Rookmoot. Il est où le Rookmoot? Hé,
Et il monte son cul, le Cartman. Oh! What? Crève. Oh putain, une caméra. Je suis trop émotif pour être filmé. Bon, alors. Vous pourrez pas monter à deux, allez devoir coopérer. Le cop, c'est quoi? Ça se mange aussi? C'est comme le scénario. Salut. Qu'est-ce que tu me dis? Bon, la crif. Ok. C'est ce que je voulais faire avant. Bon. Ah bah voilà tout le monde. Il y a nos potes là, on va les rejoindre. Le gang Rasta là. Et il est marrant celui-là. J'espère l'avoir un jour. Bon. Ouais, attends deux secondes. Alors, Robert. Bon, allez les gars, allez-y. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Bon. Ah putain le gâteau. Attends deux secondes. Faites juste un peu la gueule à tout là. Je peux pas te la gueule à tout. Bon. Bonjour les jouets. Bon. Et puis c'est quoi les trucs dans les buissons là? Ah ce serait lui. Ouais, c'est lui. Ah, il est là-dedans. Allez, mon cochon, ou tu vas te transformer en bacon. Ouais, c'est ça. C'est bon. Non, lâche ça. Oh, oh non. Oh, non. Lou, Charlie, non. Va falloir qu'on trouve une idée pour leur faire sauter un repas, Owen. Crève ! Ça va pas peut-être comme ça dans les trucs. On va s'approcher comme ça. Non, ok. C'est pas le cas pour moi ou... Si c'est le cas pour moi. Ok. Allez, il doit bien y avoir quelque chose là-dedans. Ok, on essaye ça. C'est de la merde en poudre. Harry, allume. Mais sérieusement, un jeu comme ça, Jurassic Park, mais sans version Lego, tu vois, en mode réaliste, ce serait trop classe. Bon. Barré, allume-les. Non, c'est vrai, je suis con, c'est pas, j'ai pas utilisé la bonne arme. Bon. Bam. Eh ben mon beau Léon, hein. Non, Napoléon. Léon S. Kennedy. Bon.
Bon. What the fuck? Eh mec, mais c'est Speedy Gonzales MacGyver là. Je suis avec les blagues, c'était rapide, mais à ce point-là. Arrêtez d'abuser. De toute façon, je crois que maintenant c'est trop tard, mais avant ah, bon, j'arrêtais pas d'essayer de péter le truc, ça voulait pas. J'espère qu'on pourra encore incarner les Raptors, sinon bah dommage, ça fait un truc en moins. Je sais. Bon, ouais. Allez. Bon, j'ai l'impression que c'est trop tard. Bon, je me suis foiré, mais bon. Owen. Putain, il a fait son Indiana Jones. C'est qu'il te bouffe dans le creux de la main. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Un essai sur le terrain. J'ai pu constater qu'ils étaient disciplinés. Alors il est temps de jeter notre recherche dans le grand bain. Ce sont des bêtes sauvages, Skins. Crois-moi, t'en voudrais pas sur le terrain. Alors on progresse enfin, et c'est ça sa première décision. Fabriquer une arme. Ta gueule, Barry Burton. Owen, je voudrais que tu viennes pour nous donner ton avis. Une nouvelle espèce de notre... Oh, création. On voudrait que tu inspectes l'enclos à la recherche d'éventuelles failles. Yeah, yeah. Dominus Rex. C'est un mélange de quoi? Le génome de salade. Et d'escargot. Où est-ce qu'elle est? Elle était là, nous, on était là. Oh. Oh. C'est incompréhensible. Les portes sont fermées depuis des semaines. Ces traces de griffes, c'est récent? Tu crois qu'elle... J'y comprends rien. Elle a pas pu franchir les palissades sans qu'on s'en aperçoive. Et par en dessous? Vu que tu dormais, oui, je pense hein, qu'elle a pu. Hein. Bon, on a Nick le superviseur, on a Elise le dresseur d'Ina et on a moi. Ça va les gars, vous mourrez bien. Hein. Bon. N'empêche, les jeux Lego, comment ils arrivent à super bien respecter l'histoire. Même quand l'histoire est à chier. Il respecte bien l'histoire, l'univers, ça, c'est impressionnant. Ah, parce que le nombre d'erreurs de ce film, rien que toute cette scène-là, franchement. Hein. Il y a tellement de conneries. Là, elle a voulu creuser une galerie. C'est pour ça qu'on a fait des fondations aussi profondes. Vous pourriez nous faire monter sur ce portique? Ah, bien sûr. Ah, pourquoi les avoir envoyés alors que tu pouvais tracer d'abord le truc, hein? Mieux vaut d'abord tracer pour voir, hein? C'est complètement débile de les envoyer, et puis, voilà. Utiliser la grande porte, pas la porte de service, non mais il y a plein de trucs. Puis rien que les pouvoirs cheatés du bestio, ça faut pas exagérer, hein. Ah, parce qu'elle a de l'ADN de machin, voilà, voilà, hein. Moi, ouais, parce que j'ai de l'ADN de sangsu, je suis super bien. Je suis con, désolé. Ok. Eh, celle-là, vous pouvez la ressortir. Ah, votre copine. Ah, j'ai de la ADN sans suce, c'est pour ça que je suis bien.
Ou à votre copain plutôt. Parce que si votre copine a une bite, c'est plutôt un copain, je pense. C'est quoi les trucs qui défoncent ça? Eh hey mec, t'as quelque chose qui défonce ça? Non? Eh ben, je m'en fous, mais moi, y vais. Je vais pas y arriver. Bon, l'échelle. Je voulais faire le beau gosse, mais non. Ouais, je défonce les panneaux électriques. Pas étonnant que le bestiole, il va s'échapper après, hein. Je suis l'homme le plus débile du monde. Bonjour. Bonjour les maisons de pizza. Vous avez demandé une 4 anchois. C'est plutôt une 4 fromages, hein, monsieur, hein. Parce qu'une 4 anchois. Alors déjà que les anchois en ce moment ça se fait plus avec les pizzas, mais alors. Oui. Mmh. Quelque chose d'utile là-dedans. Un tournevis Sonic. T'arrives à trouver ça dans un crottin. Même pas savoir ce qui est arrivé du docteur. Hein. Encore un truc où ça part en couille. Docteur. Ouais. Ça fait un petit moment là avec Moffat que ça part en couille. Mais alors là, depuis la saison 8, Moffat c'est bon. Hein. Il dit ah, je venais que tous. Ah là là. Je sais pas pourquoi. Mais ça me déçoit hein, tous les trucs là. Comment on arrive à passer bande de cons? Qu'est-ce qu'on a d'autre hein? Batman versus Superman, je crois qu'il va le donner ce film. Mais faut se méfier. Nolan. Il participe au film. Ça pue toujours. Ça fait... Mon dieu. Ah, mais le trio que je veux jamais voir, hein, Mendes. Et surtout son scénariste, hein, Mendes. Mendes, encore ça va lui-même. C'est son scénariste, hein, là, celui qui participait à Skyfall et au James Bond. Donc t'as Mendes, Nolan et Moffat. Je veux pas les voir. Hein. Et lui, ça marche? Aucun ne marche. Ok, mais c'est bon. Bon. Et quelqu'un peut passer là-dedans? Bon, c'est bon, j'ai compris, hein. Voilà. Oui, j'essaye de taper ce truc. En arrière. C'est plus que prévu, on dirait. Comment on franchit ça? Yadel! Salut! Quelque chose me dit que ça va péter. Et hop, ils sont tous morts! Non, c'est un jeu Lego. Ils sont tous partis vers l'infini au-delà. À la Team Rocket. Eh ben, on fait quoi, Boris? J'ai plus que prévu, on dirait. Comment on franchit ça? Je viens de résoudre le truc, et puis tu répètes ton dialogue d'avant, mec. Oh, mais elle a creusé plus que prévu. Non, Brutti! Non, désolé. Quoi qu'elle a creusé plus que prévu, on dirait, hein. Eh, hey, j'ai pas fini de récupérer la pièce. Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaures qui nous ont pondus dans ce labo. Enclos numéro 11, ici centrale. Vous devez évacuer l'enceinte immédiatement. Enclos numéro 11, vous me recevez? Quel est le problème? Elle est dans la cage. Elle est là, avec vous. Si elle a du T-Rex dans son ADN, elle voit sans doute les mouvements. Avancez doucement. Oh, on est fichu. On va se faire boulotter. On sera pas boulotté.
Vous voulez parier? Je veux mon neveu. Et bien sûr, elle commence à bouger qu'à partir de ce moment-là aussi, hein. Elle attend le script. C'est ça qui me fait rire, hein. Oh putain, tous ces clichés. Elle est désolée, j'attendais le script, hein. Ouais, c'est pas... Je suis sûr que Steve est capable de nous pondre un meilleur scénario que celui-là, pour le court-métrage. C'est pour dire, hein. Oh, je suis déchant. Oh, je suis sûr que Steve écrira bien le scénario. Je le fais entièrement confiance. De toute façon, il peut pas donc me faire pire que ces films de... comme ça. Bon, on s'en fout des pièces maintenant, on fonce dans le tas. Allez. L'électricité a été coupée. Elise, donne un coup de jus avec ton fusil électrique. Ok. Ouais. Voilà. Camouflé. Bon. Bon, allez, on a pas ça. Et on va se casser, on va tous les abandonner. Ah. Non ? On peut pas se barrer et les abandonner ? C'est quoi ce jeu de merde ? Oh mon dieu. Des hunters. Non, les hunters c'est comme les raptors, faut se méfier. Bon. Je crois qu'on a plus que notre pote là avec nous. Scan. Et moi j'ai la dalle. Ouais, j'ai déjà vu, je sais. Je veux le bouffer l'Indominus Rex, il va finir dans mon assiette. Non, on est tous d'accord. Allez, ça sert à quelque chose, personnage inutile qui crevait dans le film. Ok. Ah, il fait encore n'importe quoi. Ouais. Dès qu'il faut péter des trucs, t'es bon. Bon, tu douilles. Voilà, t'as ramiam-miam, hein. Bon. Allez, grouille-toi, Maurice. Tu me suis. Allez, ouvrez. Et ouais, je sais. Ça où?
Moi je cours, hein. Eh ouais, ça pue, hein. Il faut faire évacuer l'île. Elle a un implant dans son cou. Je peux la suivre dans la salle de contrôle. Oui. Elle a un implant dans ses couilles. Merci d'avoir joué. Ouais. Oh mon dieu. Oh my god. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Attends, moi je suis crevé là d'un coup. Bon bah j'espère que cette vidéo, moi ça m'a plu, hein, démo. Ah, j'espère que ça vous a aussi plu, hein. Je me suis bien marré là, je me suis foutu de la gueule du film. Et je me suis bien marré avec le jeu là. Bon, on se voit prochainement pour d'autres aventures, hein. Voilà, je suis sûr que vous avez hâte de retrouver Steve. Et en attendant, n'oubliez pas que la force soit avec vous. Mais je préférais le générique du deuxième film, hein, personnellement. Ouais, pour ceux qui s'en rappellent, hein. Putain, je l'ai plus en tête là d'un coup. Je vous la remettrai, hein. Voilà. Ah bah au pire, ouais, c'était la musique du sketch de la précédente vidéo, celle sur Rune Factory Frontier, vous avez qu'à aller chercher. Bah, voilà. Allez, au revoir.